Yeah. Ah, small one. Their side of the small, baby one. Yeah. Bike, You are inside the Quebec City fort, huh? Fort take a look at it. There's a big bomb or blood or whatever it is inside the inside the tree. We are going to stay one place. Don't move around. We'll go all around. Okay. All are done. Onda irundu overidathukum povom. Appa naanga miss panna vaada maakkale. Okay ba. Idha nandu che. Okay. Idha. Okay. Oh, idha church. Idha church. Ora pol in my
capital si important pour témoigner de l'historique musical de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et nous avons le privilège, pour clôturer le volet musical de nos fêtes du 350e, d'accueillir l'Orchestre symphonique de Québec et le Chœur symphonique de Québec vendredi prochain, le 21 novembre, pour faire vibrer cette cathédrale. Et donc, à cette occasion-là, nous mettrons en valeur les œuvres du Stabat Mater et du Gloria de Francis Poulenc, sous la direction du maestro Fabien Gabelli. Alors, on est honoré de leur visite, et évidemment, ça clôture bien l'année. Les billets sont disponibles sur le réseau Biennet, mais on a un privilège ce matin d'avoir des bénévoles de l'Orchestre symphonique qui sont à l'accueil de l'église à l'entrée principale. Ils pourront vous remettre un petit dépliant promotionnel de l'événement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Dieu notre Père, va vivant tes grâces en abondance sur le grand jubilé de Notre-Dame de Québec. Que ceux et celles qui franchiront aujourd'hui la porte sainte reconnaissent et écoutent la voix du Christ, lui qui a dit « Je suis la porte des rebutés ». Belle journée, belle semaine et allez dans la paix du Christ. Pudu
மயந்திரன் போட்டு என்ன கேட்டா சாப்பிட்டு சார்